Chaque fois que la petite fille rentre à la maison, elle fait peur à sa mère, car elle est née avec un nez de cochon et même deux oreilles de cochon. Au fur et à mesure que la fillette grandissait, son nez de cochon devenait de plus en plus évident. Pour préserver leur réputation, les parents n'ont pu que prétendre que leur fille était morte à la naissance, et ont même organisé de fausses funérailles pour tenter de tromper tout le monde. En réalité, la petite fille a été maudite par une sorcière. Le seul moyen de briser la malédiction était qu'elle soit embrassée par celui qu'elle aimait lorsqu'elle serait grande. C'est pourquoi ses parents l'ont enfermée dans le château toute la journée. Tout ce qu'elle pouvait faire, c'était s'amuser avec des ours en peluche. Heureusement, le moment est bientôt venu. 18 ans plus tard, Peggy était devenue une belle jeune fille. Ses parents lui donnaient des rendez-vous tous les jours pour l'aider à devenir une personne normale. Mais la première chose que les riches et les puissants faisaient en voyant Peggy était de sauter par la fenêtre et de s'enfuir. Afin d'augmenter le taux de réussite de sa fille, sa mère n'a pu lui arranger que quelques hommes myopes. Le résultat a été le même, elle a sauté par la fenêtre. En quelques jours, il ne restait plus une seule fenêtre intérieure.